clap. What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, oui on innove pour ces intros au bout d'un moment. On est en compagnie de Just Mimi, hein. Vous la connaissez peut-être, c'est une abonnée mais c'est avant tout aussi une amie incroyable. Et on ouvre aujourd'hui l'Elite Trainer Box Zacian, parce que Zamazenta non. Et non, je veux en ouvrir qu'une seule parce qu'après au bout d'un moment... voilà, ça fait cher, mais du coup ça va être cool. Après moi je t'ai appelé parce que toi on te connaît, que tu drops des très bonnes choses et que là on a besoin de tirer des bonnes choses au bout d'un moment. Nous, enfin surtout moi, je dois t'avouer, j'aimerais beaucoup de gold là, même si bon, c'est moi qui l'ai choisi. Voilà. Donc, si elle a pas de chance, c'est pas ma faute. Booster, donc c'est, voilà. Donc, très joli. Alors, du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est possible, il y en a qui connaissent, qui peuvent commencer Pokémon avec épée bouclier, hein, parce que le jeu a très bien marché. On a un petit carton, voilà. On va vous montrer ce qu'il y a dedans. Petit carton très sympa qui peut être utilisé comme poster. En gros, à l'intérieur, vous avez vu, il y a 3 Pokémon, il y a aux séries du coup des 4 boosters. Ouais, les 4 boosters. Voilà, c'est très bien. Vous avez bien entendu le petit guide de jeu et aussi des cartes. Qui, voilà, donc si vous voulez vous spoil ou pas avec tout ça, vous avez toutes les cartes. Et du coup, pour ceux qui veulent compléter leur série, voilà, vous avez toutes les cartes, vous pouvez les cocher, c'est très sympathique. Moi, je sais par exemple que j'ai déjà cette carte-là. Et voilà, donc là, allez, voilà. Nous, c'est les cartes un peu qu'on veut là. Hein. Mais bon. Et du coup, par contre, elles sont magnifiques par contre, les Trainer Box. Ouais, il y a des nouveaux graphismes. Ah ouais, ouais, elles sont incroyables. Rien que déjà pour... ouais. Accusation en bleu et le derrière en rouge en synonyme de Zamazenta. Et je pense que du coup on a l'inverse pour l'autre. Malheureusement, je ne l'ouvrirai pas. Sachant qu'il me semble que de l'autre côté, c'est une autre illustration. Ah, si, c'est ça. Et non, dommage, presque. Mais voilà. Alors du coup, là, c'est le contenu. Mais du coup, c'est ultra joli parce que du coup, vous avez épée bouclier aussi devant qui est incroyable. En or en plus, carrément. Donc c'est méga stylé pour le coup. Voilà, donc ça fait aussi une belle boîte de rangement. Voilà, pour ceux qui ont beaucoup de cartes et tout. Donc le contenu, donc ça c'est ce qui... En fait, c'est un carton basique pour maintenir les choses. Là, ils ont changé pour les dés, je trouve ça très bien pour les joueurs. Donc on a des dés basiques, là, je crois. Ouais, on a un dé... Alors oui, on a... Ah si, on a... Ah si, il est trop beau, par contre. On a là le dé, du coup, avec le symbole de la série, le gros dé, en gros, pour lancer. Et là, en gros, c'est tous les marqueurs de dégâts. En gros, quand votre attaque GX ou n'importe quelle attaque fait des dégâts au Pokémon, vous mettez, du coup, ça. Est-ce qu'on retrouvait moins sur... C'était moins clair, je trouve, sur les autres dés. Là, voilà, c'est du 20 par 20. Après, on a des dés de 10. Du coup, c'est très, très cool. En fait, c'est très bien. Il y a même des gros dés. Donc, ça change. Donc, pour les joueurs, c'est très, très cool. Donc, ça, c'est un gros oui. Tu vois, par exemple, c'est une petite nouveauté qu'on a dans les Trainer Box. Mais... Ça, c'est un gros oui. Et là, on a, du coup, deux petits jetons qui sont changés un peu de design. Moi, je les aime bien. C'est toujours sympa d'avoir. En plus, ça change un peu le design. Le code que je vous donne, effectivement, carrément, là, du coffret, voilà. Le premier, servi. Faites-vous plaisir. On a les séparateurs de deck, par contre, ils sont trop, trop beaux. Ah ouais, bien vu en plus. Ils sont incroyables. Donc, du coup, d'un côté, on a le Zacian. Et de l'autre côté, on a aussi, du coup, le Zacian, mais en gold carrément. Donc, c'est beaucoup trop beau. C'est trop bien. Ça, c'est cool. Hein. Ça permet de séparer vos decks. En gros, hein, vous avez imaginons, entre ces deux-là, un deck et ensuite un autre deck. Voilà. Donc, c'est très, très cool pour s'y repérer. Mais en plus, ils sont super jolis. C'est un immense oui. Pour l'instant, c'est un grand plaisir. Bon, en parlant de plaisir, hein, le lot d'énergie. Elles sont jolies, ces énergies. Alors, oui, voilà. Ça va. Tu vois, j'allais dire les 10 ans, encore une fois de plus. Non. Les énergies sont très belles, je trouve. Bien plus que sur les lignes de base, en tout cas. Mais voilà, les énergies, moi, j'en peux plus. Je crois qu'il y en a une par paquet. allez, si quelqu'un le veut, je ne vous l'enverrai pas parce qu'il faut payer l'envoi. Et je vous offre pas ce genre de choses parce que c'est n'importe quoi. C'est pas ouf. Mais sinon, on a après, voilà. Des pochettes qui sont super belles, des petites pochettes, il y en a en tout 65 je crois, et c'est très cool, donc ça permet de protéger les cartes très facilement. D'ailleurs, je pense que je protégerai les cartes avec ça parce que j'ai plus mes super cibles, intéressant. Il faut que je commande. Faute de budget. La chaîne n'est pas rentable, malgré vos gros retours. Merci encore d'ailleurs pour tous ceux qui ont suivi l'incroyable aventure qui était les méga ouvert nature en display battle. Ouais. C'était ouf, merci à tous ceux qui étaient là pour la première. Et là, on a les plus intéressants, vraiment, pour nous, c'est les 8 boosters. Donc du coup, une illustration de chaque, je pense qu'ils ont fait les choses bien. Et il y a quelque chose près, on n'a pas. Mais on a en tout cas, voilà, les 4, du coup, très très jolis. Toujours, hein, voilà, ça vous les connaissez, je pense, au bout d'un moment. On va commencer l'ouverture. Mini, tu vas nous porter chance, je pense, au bout d'un moment. Hein, parce que c'est bien sympa, hein, t'inviter, mais si on doit rien... C'est un peu pénible. Vas-y, qu'est-ce qu'on va dropper de bien? Tous les codes seront donnés, bien entendu. Hop, là. Et je vais aussi enlever ça. Franchement, je vais pas faire de pronostic. Ouais. J'ai peur des pronostics.
Mais les gold, elles sont vraiment sympas. 1, 2, 3, 4. Les deux. Les gold, elles sont sympas. Les deux, là, elles sont sympas. Hein. Bah, c'est bien. Ça serait bien de les choper. C'est sûr. Allez, en tout cas, juste pas de Dolman VMAX. Tout sauf un Dolman VMAX. Pas de soucis. Tout ce que je demande. Alors, okay. Flambino. Je récupère. Ouais. Oui. Voilà. Parce que je l'ai déjà eu en double et c'est un peu. Ouais. C'est Dolman VMAX. Une fois, ça passe. Gavol, hein, c'est un gros oui. Le ballon. Ok. Ballon vert qui existe en gold. Dunaja. Ok. Et. Le classe V. Full art. Bien joué. Dès le premier booster. Super. Bah voilà, je peux repartir du coup. Bah voilà, tu peux t'enlever, c'était très très cool. Et bah, salut les amis, super. À la prochaine. Ah, c'est génial. En plus, alors je l'ai déjà, mais alors il n'y a aucun problème là, du coup ça va être très facilement échangeable, parce que je connais déjà quelqu'un qui va pouvoir me l'échanger. Mais elle est trop trop chou, je trouve, en plus. Et du coup, le fond qui est incroyable, ça fait extrêmement plaisir d'être pour les boosters, une full art, c'est un gros oui. Ouais, c'est un immense oui. Bah, du coup, c'est le booster. Là, voilà, pour moi, l'ouverture est déjà faite, parce que choper une full art... C'est un peu des fois un délire, mais bon, c'est trop cool. Du coup, le code pour vous, et on est reparti avec le 1, 2, 3, 4, 1, 2, hein, ça ne change pas. Ah ouais, peut-être choper des V au pire, à la rigueur. Là, j'ai ma full art, une petite V. Ça peut être intéressant pour moi, que j'ai pas, même si j'ai pas mal de V. Ah bah, je l'ai jamais vu, mais aux. Ah bah tiens, et t'en penses quoi? Bah, je le trouve peut-être mieux que le Meowth d'Alola. Ah oui. Ah, c'est vrai qu'on compare. C'est vrai que. Peu... Oui. Non, mais c'est vrai qu'on compare comme ça, oui, je suis d'accord. Après, en termes d'intérêt. Oh, l'énergie d'art est incroyable. Travis existe aussi en full art. Et en rainbow. Super bonbon. Ouais, il y a des choux. Ouais, pas sirène, tu vois, qui est trop trop beau en reverse. Ouais. Surtout cette illustration, parce qu'ils ont fait deux pois sirènes. Et Corvallus en rare, tu vois. Donc, c'est quand même sympa. L'esprit couché de soleil est sympa. Ouais, surtout le Pokémon que j'apprécie beaucoup, Corvallus. Donc, ça tombe très très bien. Allez, troisième booster, on va activer un petit peu, mais en tout cas cette première box, déjà c'est parfait déjà, pour ce qui est de la pioche, mais vraiment très surpris de ce qu'il y avait dedans en fait. Là, ouais, pour le coup, pour une fois. Ouais, voilà, au moins pour une fois. Enfin, mais non, si elles étaient cool, en vrai, les items là-bas, en général, c'est toujours été très cool. C'est sympa, ça fait des trucs en plus. Ouais, voilà. Mais là, du coup, c'est vraiment axé pour jouer tout. Le pois sirène. J'aimerais bien. Alors, il y a une rare que j'aimerais choper, c'est Roserade, parce que je l'ai toujours pas. Et j'en ai ouvert des boosters quand même. Parce que voilà, j'en ai ouvert aussi hors cam. Voilà, on croise les doigts peut-être, la rigueur, si tu peux voir. Elle est incroyable cette carte. Toujours incroyable cette carte. Avec la perspective. Oui, la perspective derrière, toujours. Ah là là, on suit des vrais abonnés. Raichu en reverse, je l'ai 40 000 fois la rare, mais j'avais pas en reverse. Ça, au moins, c'est fait. Oui, et derrière, le Crustabri, que j'ai en reverse du coup. Mais c'est pas c'est sympa de les revoir. C'est un bien peu. Que t'aies une tarte reverse. Voilà, une rare reverse. Que... Oui, parce qu'en fait, j'ai au moins 6 fois, je crois, la Raichu. Oh. Si c'est pas plus. Donc, pour dire que en Raichu. En holo. Ou tu l'as en holo ou juste en normal? Elle existe juste en rare. D'accord, ok. Voilà. Malheureusement. 6 fois en rare. 6 fois en rare. Voilà, du coup, c'est un peu chaud. Hop. Et on est parti avec Cradopo, qui est incroyable comme Pokémon. Une jolie fête. Yep. En fait, hâte de quand même d'avoir la prochaine série, quand même, parce que les cartes, là, je commence vraiment à les connaître par cœur. Alors, j'en rêve la nuit, tu vois, que Froid, Poltégeist, Marrakechi, tu vois, tout ça, des trucs comme ça, je connais. Et voilà, que des blagues comme ça qu'on adore ici. Et on a quelque chose derrière. On a quelque chose, on a Krabby. Et. Je l'avais! Yes! Je l'avais pas trop bien! Je voulais m'acheter. Tu sais que c'est la deuxième foulard préférée que je voulais! C'est trop bien! Bah tu m'invites quand tu veux aussi. Ah mais attends, il y avait deux full art en... Ouais, bah écoute, je connais des gens qui ont ouvert des élites trainer boss. Et un gros big up à mon copain Edouard qui était mon champion, qui a ouvert une élite trainer box avec moi en live en gros sur Messenger et qui avait chopé une holo. À quelque chose près, je crois que c'était ça, une holo de souvenir. Et qu'il n'avait rien eu d'autre. Mais alors, oh, Charter V qui est incroyable, qui est... Avec Sinistrae, je vous ferai peut-être le recap, qui est vraiment une des foulards les plus élaborées. J'en perds mes mots là. Voilà, mais et du coup c'est trop trop bien. J'aime bien le fond. Ah, c'est incroyable cette ouverture, mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'inviter. C'est que la moitié des boosters. C'est que la moitié des boosters, Emily. Est-ce que et oh un allez, un petit action gold, ça serait cool, les amis. Hein. Ouais, voilà. Ça c'est le tout. Quoi. Histoire, c'est ouf, c'est incroyable, ça fait plaisir de choper un peu de la foulard là en quantité. Ah là là, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Techniquement, là, pour moi, elle est faite. Pas la vidéo, parce que la vidéo n'est jamais finie. Oui, bon.
Des fois, oh, j'essaie, je pense que je parle quand même pas mal, tu vois. Mais des fois, j'arrive pas des fois à meubler des choses. Ouais, non, mais c'est et ça, c'est des cartes horribles, je trouve. Ça, c'est trop beau. C'est trop mignon. Ça, c'est sympa. C'est des cartes normales. Ça, ça passe. Ça, c'est Poule Paf. C'est trop bien, ce Pokémon. Ça, c'est... une énergie, tout simplement. Un flamme noir qui est quand même assez incroyable. Un Rosard que j'avais qu'une seule fois de cette manière, parce qu'en fait, il y a une autre alternative. J'ai mis 15 minutes à la trouver dans tous mes tas parce que pour la classer. D'ailleurs, il y aura sûrement ici. Bah non, du coup, si vous voyez la vidéo plus tard, ok, mais si vous l'avez maintenant, abonnez-vous techniquement, parce que je vais présenter ma collection épée bouclier qui avance du coup encore une fois plus aujourd'hui. Oh, allez, j'adore cette carte. Et bah, je l'avais pas en reverse. Et incroyable. Elle est trop belle. Oui, c'est un. Regarde avec ça, là, le petit rond. Là, bien vu. Oh, bien vu. C'est trop beau. Et bah, c'est une très très belle reverse. Et bah, c'est super de choper les choses comme ça. Et bah, ils font pas les choses à moitié. Même. Oh. Attends, c'est moi. Ah non. J'ai cru que le nom aussi était en reflet, mais non, c'est ah, okay. Si. Ah, si. Énergie, énergie. Ah, le énergie. Truc énergie dessus. Le truc énergie. Alors, je sais pas. Il y aura un truc derrière. Et derrière, est-ce qu'on a un truc? Non. On a Pyrobut, Holo. Oh, et c'est toujours ça. Moi, je l'ai déjà pas mal. Ça peut être alléchant. C'est sympa en fait à tirer, tu vois. C'est cool. Par contre, elle est très très belle. C'est des holos que je trouve ultra belles. Tu vois, c'est, les holos en fait sont incroyables dans ce bloc. Pour le coup, encore 3 boosters, mais cette vidéo va s'éterniser. Mais c'est un plaisir là. Et en plus, que la display, moi j'ai eu relativement de la chance, je trouve. Ouais. Parce que. C'est très sympa. Mais alors là encore, là ça enchaîne, c'est très bien. Surtout, je pense que c'est une des dernières choses que je vais ouvrir en épée bouclier 1. Ouais, malheureusement, parce que d'un moment, le budget il suit plus aussi. Goupilou, Loupio, oh, qui est incroyable en genre d'alternative. Oh, Topicker, qui est rigolo. Hop, l'énergie. Trio Picker, oui. Les échanges. Récupération d'énergie. Gouroutan Holo Reverse. Et je l'ai pas en holo, mais je l'ai en reverse. Du coup, j'ai deux holo reverse. C'est toi qui l'avais chopé. Ouais. Voilà. J'adore cette carte. En holo, elle est magnifique. J'adore cette incroyable. Carte. Tu vois, c'est incroyable la poche qu'on a j'adore pour l'instant. J'adore cette carte. Ouais. Je crois que moi, c'est l'une de mes V préférées. Mais... Avec Sinistra, ouais, c'est ma V préférée. J'aime pour dire. Cette carte. Enfin, en fait, pour moi, ça me fait beaucoup penser. Ça me fait... La pioche est parfaite. Là, c'est que du bonus même. Mais c'est trop bien parce que ça me fait espérer qu'en gros, il y aura peut-être Régis V. Rien que Régis V ou Régis Tilvé. Regirox est celui que je préfère le moins, je pense, en tant que golem. Mais ils sont incroyables. Hein. On est tous d'accord pour ça. Mais s'il y a moyen de les avoir en full art, ça serait incroyable. En gold. Ah ouais, là, je craque complètement. Voilà. Donc du coup, super content pour ce Regirock V en plus. 2 boosters encore, mais c'est une traîneur base de malade. Hein. Comme quoi, ils ont mal réparti des fois comme les trucs. Allez, les quotas. Le code, j'espère que vous arrivez à les choper, parce que sinon, voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Le Tritox, on les présente plus à force. Le Ponyta de Galar. Le Chinchidou qui est tout chou. J'adore ce Pokémon. Chinchidou, il est trop bien. Noir et blanc en plus. Oui. Larvadar. L'énergie. Témanta, que j'ai... Ouais, ça, voilà, c'est des cartes... Voilà, je la remonte quand même bien. C'est des cartes vraiment que j'adore, en fait, comme ça, avec le Remoraid. C'est juste incroyable. Des cartes qui sont ultra travaillées. Que le Dôme, qui est bien mise en valeur. Sauf que c'est un Pokémon que j'apprécie pas tant que ça, je dois t'avouer. Ouais, il a pas l'air d'avoir beaucoup d'intérêt. J'avais pas. Et en fait, j'avais le Kikle que j'adore, du coup. Ouais. Et du coup, là, j'ai les deux en reverse, donc c'est super. J'adore cette carte, évidemment. Et... Wow, heureusement que j'ai vraiment la reverse que j'aime et qu'il y a une bonne pioche, tu vois. Là, Fermite en rare. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait, mais je la trouve très très bien. Déjà, Fermite. Enfin, ça passe. Je sais pas, je suis pas fan du. Non, je moi non plus. Pas. Dernier booster pour la légende. Non, techniquement, là, je sais qu'il y a rien, mais on peut toujours espérer. Toujours parce que deux foulards déjà. Déjà, deux foulards, je te le dis, c'est incroyable. Hop, le code 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Oups, histoire de pas de se foirer quand même pour le dernier truc. Et Watapic, oui, alors. Tiens, t'en penses quoi de ce Pokémon? Je trouve qu'il ressemble à Statitic, mais en moins beau. Ok. c'est vraiment... Non, ça m'a suffi. D'accord. J'ai pas d'avis sur ce Pokémon, donc plus je le vois, plus j'ai pas d'avis. Du D'accord. coup, ça m'aide pas. Loupio. Les énergies, le Badaboin, l'œuf chance. Moumouflon. Il va y avoir un Moumouflon V, je le sens à un moment, ça va être super, et il y a des super reverse hein, par contre. Et derrière, la dernière carte de l'ouverture n'est rien d'autre que l'Armélon. Négocier.
Ah bah super, on termine par le meilleur. Bon voilà, la carte de l'ouverture. Allez, on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif. Et nous voici du coup pour le récapitulatif, après avoir tout mis des trucs sous protège. Bah, du coup, première carte que Emily m'a fait savoir qu'il valait le coup quand même de mettre dans ce récap, c'est vraiment l'énergie boréale avec le truc qui brille en haut, donc elle est très jolie. Ah, moi, voilà. J'aime bien. C'est un gros oui. Du coup, on a eu Pyrobutolo. Sympa aussi. Faut oublier qu'on a que 8 boosters. Hein. On a Gouroutan Holo. Ça a de la qualité, tu vois. Il y a de l'eau, là, il y a de la consistance pour une fois. Là, le Regirock V. J'avais déjà. C'est absolument pas un problème de le redropper. C'est toujours un plaisir de rechoper des cartes comme ça. Voilà. Regirock, gros oui. Hein, gros big up à toi. Et après, énormément de chance du coup avec le low class full art. Carrément. Donc là, on est sur. Un autre level. Voilà. Les full art de pied bouclier, c'est trop joli, tu vois. Je pense en plus, ça va être c'est les basiques hein, qu'on retrouvera dans un an, tu vois. On dira, ah oui, c'était basique, mais elles sont vraiment trop belles, je trouve. Et on a eu. Le Charter Full Art, mais alors ça c'est plus qu'un oui pour moi, c'est un immense oui parce qu'en fait j'avais tenté de l'essayer de l'avoir en enchère, j'avais échoué, et bah heureusement que j'avais échoué j'ai envie de vous dire, voilà, mais du coup elle est trop belle en fait, avec la Sinistrae comme je disais, ça fait plaisir en fait, il y a des gros effets qui sont incroyables, et là le Pokémon est très bien mis en valeur, surtout Charter est un Pokémon que j'apprécie plutôt en général, donc là c'est un immense oui, voilà. Eh bien, en espérant que cette vidéo vous a plu, que vous avez aussi passé du bon temps à rigoler comme nous, parce que là, décidément, choper des cartes, ça nous met de bonne humeur sur les jeux de cartes, bah, du coup, les deux grosses, très belles full art. À la prochaine, Émilie, je te laisse le mot de la fin. Bon, bah, salut à tous, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Ah, hein. Merci, elle fait ma pub incroyable. Bonjour à tous et bienvenue pour le récapitulatif. Dans cette vidéo. Vous avez... Non, il... Là-bas. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais les cartes, elles brillent.